Et les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va être en compagnie de Monsieur Révoli. Bonsoir, Rivo. Salut, salut. Voilà, voilà. Ainsi que le chat, hein. Voilà, donc on est reparti sur du Craft the World. J'ai coupé les tourbillol derrière moi, voilà. Ouais, c'est bien coupé. Hop, on va changer de scène. Voilà, et on va un peu voir un petit peu tout ce qu'on a à faire ce soir. Donc, sachant qu'on va avoir environ 2 heures de gameplay. Pour ce soir, voilà. Oh, wow. Écoutez, je vais faire un petit génocide là de moutons. Les tue pas, hein, couplé. Enfin, ouais, mais ils sont tous dehors. Ils sont pas tous dehors, hein, fais gaffe. Non, je sais. Hop, on va commencer par le bois. Hein. Donc moi, je vais voir pour faire vraiment c'est. Ah, c'est comment dire, voir pour faire les pour l'armure, obtenir l'armure en argent. Ceux en or, bon, on avait dit quoi hier? Ouais. C'était bien, c'était quoi? C'était l'épée à la limite. Hein. Ouais, limite l'épée. C'était l'épée, ouais. Alors, fabriquer. Hein. Hop, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ah ouais, c'était la trappe ici. Alors les épées. En or, on en a une ici. Je peux en faire une pour le moment. Alors, le nagar d'or, qu'est-ce qu'il me faut? Oh, merci, s'il te plaît. Merci, ça dégage. Alors, il me fallait du charbon. Il faut absolument que je trouve du charbon sur la map pour pouvoir faire la suite. Ah oui, ici. Ici, il manque une torche. Voilà, mais ici aussi, on va en mettre une aussi. C'est d'où il y a du charbon? Je sais pas du tout. Ah. Voilà que tu cherches. Si, je crois qu'il y en a. Ah non, il y en a plus. Non, mais je sais pas. Bon. Je creuse de par ici, hein. En creuse, hop, un petit portail. Alors, je sais pas où ils sont partis tous mes nains, tout en bas ici. Ah, ils sont partis mettre la torche ou pas. Ils ont été rapportés des rechercher des choses. Bon, du coup, j'ai aucun nain qui est disponible pour le moment, c'est génial. Il va surtout faire que je fasse de la bouffe aussi, on va s'en occuper ça après. Allez, dépêche-toi là. Vite! Tu vas faire quoi toi de ton côté? Je m'équipe en argent. Ouais. Je m'équipe en argent et puis je fais aussi. De quoi commencer à débloquer le mithril. Ouais. J'espère. Et j'essaie de trouver du charbon parce que là je suis coincé pour le charbon. J'ai pas ouvert un portail parce que je suis en train de creuser en fait à l'aveugle. Ah, j'ai trouvé un truc, mais c'est pas du charbon. On va peut-être même trouver une grotte aussi. Mais bon. D'abord, ici, une petite torche ici. Alors, on va attendre déjà qu'il fasse ça. Allez, et je crois qu'ils ont trouvé de l'argent justement. Ouais, ils ont trouvé de l'argent, moi de mon côté. Des bouquins, on prend, pêcheur. Ah, j'ai trouvé un autre donjon. Donc j'ai bien fait de regarder. Là. Ouais. J'ai trouvé un autre donjon. Avec un boss forcément à tuer. Voilà. Creuse, merci. On va remettre un autre portail. Voilà. Hop. Ah, et j'ai trouvé du charbon aussi. Bon. Alors là, il va être compliqué à prendre, mais bon.
pas vraiment le choix de le prendre. Ah, et on voit que Tayo hein, est en train de jouer à Uno. Je sais pas si t'aimes bien le Uno, Rivo. Ouais, ça va. Mm-hmm. Parce que je sais bien qu'il... Après, je sais pas s'il est sur un stand gaming, mais... Voilà, en tout cas, il est sur PC. Et il est pas mal. On a du charbon. Ah, j'ai trouvé une belle source de charbon, là. Voilà, on va miner comme ça, écoutez. On ne voit pas. Et réveiller le méchant. On va essayer de voir pour mettre notre portail. Bon, j'ai en train de gaspiller tout mais mon énergie là pour le portail. Allez. On va mettre une torche. Alors, pourquoi ils peuvent pas le poser? C'est assez bizarre ça. Et non. Et on va faire ici un petit escalier, tant pis. Hop. Voyage de paix, impeccable. Et j'ai l'impression d'avoir encore du charbon ici à côté, ouais. Un peu de charbon, on va le prendre. Il y a encore de l'argent. Il faut l'argent, il faut le charbon. Aussi, on va commencer à creuser par ici, on va mettre des échelles par la suite. Bon, je peux toujours pas mettre ici un... hop, on va mettre ici un portail, hop. Bon, on va un peu se muter hein, pour révéler ce que je parle dans son chat. Hop, ça on va prendre aussi. Et on mettra des échelles par derrière. Alors ici, une torche. Ah, donc attention, ne pas ouvrir ici le portail, hein, forcément. Hop. On va miner ça aussi. Voilà. Il y en a un petit peu le chat. Ah oui, ici il y a du sac qui vient de tomber, c'est pas grave. Voilà, donc ici on peut mettre les échelles. Ah, pourquoi ici il ne peut pas poser le bloc là? C'est bizarre quand même. Comme ça, hop, ils savent passer. Ok, ici, une petite torche. Ici, on va miner tout ça. Non, mais ici, ouais, il y a pas mal de choses. Hein. Ça, je crois que c'est de l'argent. Ça, c'est du... Je sais pas c'est quoi, c'est du fer, de l'argent. Je sais plus trop c'est quoi. On va miner ça, ça. Ici, on va mettre une petite torche ici. Hop, hop, petit meunier. Hop, attends, par contre, là, c'est 4. Là, c'est 2. C'est 4. Bon, je reviens à 2, s'il te plaît. Ça, c'est 3. On va mettre un 3, c'est pas grave. Alors. On mine tout ça. Ici, on continue à miner. Voilà, donc on va vraiment focus pour ce soir. Bah, voilà, l'argent. Et miner voilà, au plus qu'on peut l'argent, hein, du coup. On va débloquer les armures et passer au mitrine. Une fois qu'on sera armure complète, on va commencer à faire les boss. Attaque dans 20. Oh mince! J'espère que tes nains sont. Non! Ils sont. Ils sont à fond là en bas là. Je vais les remonter. Ouais. Après, ça va, ils sont pas tous. Ouais. Tu fais au mieux, hein. Ok. Ils sont en train d'attaquer? Ils sont où? Voilà. Ouais. Ok, je demande... Voilà, ils sont là. Maintenant, ils sont là. Ok, ils sont en train d'arriver par là. Ça coûte cher de faire un truc là qui tire tout seul, là? Ouais, quand même. Ça demande quoi en environ? Ça demande de... Ouais, de l'acier... Ouais. On a les dragons dans la base. Ouais, je sais pas, c'est parce que ça serait bien d'en faire, mais ça coûte cher, quoi. Bah, je crois que ça, c'est bon en haut, hein. Ça se tue, hein.
Ouais, en haut, ça a l'air d'être bien. Ouais, je crois aussi, hein. En bas aussi. Mmh. Oh, on est bon, je crois. Ouais, on est bon. Hop, là, on va demander ça. Voilà. Ouais, ok. Donc, je vais voir un petit peu pour faire dormir... Dormir... Mais... Ah, t'as mis un autre truc, là. Que je vois, là. Ah oui, j'ai mis des bobines Tesla, ouais. Ouais, je sais pas c'est quoi, mais ouais. Hop, je vais faire dormir mes nains. Il dormait déjà, c'est bien. Toi, ça va. Toi, ça va. Toi, hop, tu vas aller dormir. Toi, tu vas aller dormir aussi. Voilà, lui, c'est bon. Toi, tu vas dormir. Hop. Lui, dort. Lui, ok. Ok, on est bon. Ok. Bon, bah, je vais me muter, comme ça, tu... je t'ennuie pas en arrivant. Ouais, ouais. Okay. Là. Voilà. Donc on va quand même enlever ici cette pierre pour avoir un peu de pierre. Et ici on a ouais, c'est du fer ça. Hein. Ça c'est du fer. Ouais, après on va mettre ici la torche ici. En espérant qu'on n'ouvre pas parce qu'ici il y a deux. Hein. Attention. Et on va mettre ici un portail. Donc les portails hein, ça surchauffe mais tout doucement. Hop, allez, on mine tout ça. On n'a pas beaucoup de temps. Je rappelle qu'on termine à 23h. À 23h20 environ. Donc, voilà. Ici, on va mettre une torche aussi. Et on va s'amuser à miner tout ça. Voilà. Les câbles, ici, torche. Le charbon qu'on en a vraiment besoin du charbon donc c'est bien. Mais c'est vrai qu'il faut laisser le passage ici avant pour qu'il puisse passer. Hein. Attention. Voilà, on commence à mieux voir ici avec la torche. Non, on n'a pas besoin de creuser ça. On a trouvé un livre, on va voir c'est quoi. C'est quoi? C'est un livre de charpentier. Ça c'est pas mal hein. Bon, ça va, il ne vient pas nous attaquer. On a déjà 21 secondes, vous voyez, ça va hyper vite. Hop, on va remettre un autre portail, c'est à 2. Non, c'est à 4. Merde. Et ça dépend vraiment des zones, en fait, j'ai l'impression. Vous voyez, c'est à 3. Là, c'est à 2. Là, c'est à 4. Bon, on va le mettre ici. Hein. Ils vont prendre un peu de temps, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Ça demande toujours de temps que faire toute la route pour venir ici. Bon. On va mettre une torche. Pourquoi les torches pour pas qu'il y ait les mobs en fait hein, qui commencent à popper. On va mettre aussi des escaliers. On en a plus que deux à ce que je vois. Fabriqué. Hop. On va se laisser comme ça. On va demander, je crois, 20, c'est bien. Voilà. Et puis descendre et continuer à miner ceci. On va faire ceci pour pouvoir avoir accès ici. Ok. Donc ça, on va commencer à miner pour avoir le chemin. Hop. Le portail, 17 secondes. Ici, on peut mettre. Non, je peux pas. Vous voyez. C'est la merde! Non, mais le problème, c'est que ça part vite, quoi. Le... Ouais, il faut que j'en mette un. C'est 3. Ouais, je vais le mettre ici, tant pis. Hop. On peut miner aussi. Tout ça aussi. Et tout ça. Ok. En gardant un petit peu si on a de l'or. Là, on n'a rien d'autre pour le moment. Donc, charbon, voilà. J'en ai vraiment besoin de charbon. On va mettre une torche aussi. Voilà, c'est demandé. Tout ça en mine. Hop. Et ça travaille, ça travaille. C'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse... Attendez, est-ce que... Pour le moment, ouais, je suis vraiment à fond dans tout ce que j'ai... Ouh!
Oh! Rivo, j'ai trouvé une. De quoi? Ah non, j'ai pas. Ah non, j'ai pas, pardon, Rivo. Je pensais que j'avais une hache de mithril, mais non. On a débloqué la mithril? J'ai pas vu. Ouais, moi j'ai découvert, c'est bon. Ok, Rivo. Impec. Écoute, je peux en crafter 21. De N'importe quoi. lingot? Ouais. Bah, vas-y, roule. Ah, poule. Ouais, je suis en cours. Je suis en cours. Par contre, le charbon, c'est bon. Et je vais faire. Voilà, je peux encore en faire une ici. Par contre, l'or, c'est compliqué, l'or. Hein. Là, il y en a plein. Ouais, mais c'est le charbon. Il y en avait plein. C'est le charbon, en fait. Et, qui est un peu compliqué. Attendre qu'il mine ici. Voilà, ici, hop, on a trouvé encore un livre ici de meunier, impeccable. On va remettre une torche. Le problème, c'est que ma mana descend très vite. Il va terminer ça au plus vite. Allez. On met la petite torche ici. On verra un peu mieux. Voilà. On va s'occuper après de faire. Et lui, il a pas sa cadeau, exemple. Franchement, regarde à ça. Alors, ici, pour le moment, on est occupé ici à faire tout ça, donc on peut pas trop le faire. Hop. Hop, ça dégage. Et puis, je crois qu'on va partir par là, hein, je sais pas. Hein. On va commencer à couper ici. On mettra de la terre au pire. Hein. Creuse. Bon, c'est un peu le mollo qui, je sais pas ce qu'ils font, mais bon, ok. On va te poser d'autres questions. Je sais pas ce qu'ils font. Mais, hein. Allez, là, décale-toi là. Bon, sinon, on va essayer de le choper. Hein. On va le. Voilà. Et ça dégage. Alors on va attendre quand même, hein, parce que sinon ils ne seront pas montés, à mon avis. Sauf que voilà, il n'y a plus de place pour qu'ils puissent aller jusque-là. Allez, dépêchez-vous là. Je sais pas pourquoi il y a... comment ça fait qu'il y avait de la terre déjà avec, mais bon, écoute. Impeccable. Allez, venez vite miner ça. Et puis le charbon, il est vite parti aussi. Hein. Bon, il est très très vite parti. Bon, ça aurait été bien que tu prennes hein, le bloc là quand même. Hein. Merci. Il n'y a personne qui veut miner ici? Vous avez 2 minutes, les gars. Ici, ça brille là. Ah, regardez ici. Ici, on a encore de tout ce qui est. Tout ce qui est du charbon ici. Hein. Donc, ce côté, on va miner vers le bas. Ici, on a pas mal de choses. Hein. Voilà, on va mettre une petite torche. C'est peut-être prêt, mais j'ai l'impression que c'est sombre en fait ici. Voilà. Ouais. On a un peu de charbon, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme, mais bon. Voilà, petite torche. Bon, c'est bien éclairé ici. Par contre, ouais, tu t'exagères là. Tu tombes et t'as de quoi, hein? Parce que là, je sais pas s'il y avait du charbon derrière. On va pouvoir miner ici. Ça aussi, hop. On va récupérer l'or. Hein. Je vais mettre une torche aussi en bas. Alors, je regarde un petit peu par où je suis. Que je suis totalement par là. Du coup, ouais, on va s'occuper un petit peu ici de ce qu'on a besoin. Ok, donc en termes de d'armes, attendez, est-ce que je regarde un truc? Tata. Non, en termes d'armes, je disais, voilà, on va en mettre ici, hein. On va changer tout ça. Voilà, meilleure arme. Voilà, lui il avait déjà une bonne, hein, mais...
On va les changer tout doucement. Hein. Hop. Là, il avait lui déjà. Ça, ça va par là. Voilà. Comme ça, la prochaine attaque qui va bientôt arriver. Il faudra que je dise arrivo. J'ai juste terminé de m'équiper. Grimpeur, nageur. En termes d'armure, on n'a rien de nouveau. Et ici. En termes de casse, on avait tout qui était bon. Ok, donc là-dessus, on est bon. Rivo, faut les faire dormir. Ouais. Minute, ouais. Non. Go faire dormir. Toi, t'es bon. Toi, tu vas dormir. Toi, t'es bon. Toi, tu vas dormir. Hop. 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 Toi, t'es bon. Allez, dépêchez-vous, là. Et je crois que on est bon. Voilà. Ok. Donc ici, on va demander déjà qu'il fasse ça. Il mine ici. Donc c'est les ressources ici. Ici, bah, on va continuer à descendre. Voilà. Pardon. Et ils vont dormir. Voilà, ils vont récupérer. En 10 minutes, c'est la guerre, on va dire. Ils viennent nous attaquer. Non, on va recouper tout ça. Il y a peut-être certains qui ne font rien. On va couper le moutmout. Par contre, Ivo, j'ai un truc là, une question là qui m'habite là, l'esprit. Dis-moi. On a des ennemis qui viennent s'installer à droite là, il faudra les pounen. Des ennemis qui viennent s'installer à droite. À côté du shop. Et du shop. Ah ouais, ok. Alors pour moi, en fait, Ivo, je crois qu'ils font d'accord. Ils font des bébés. Et ça, c'est la gauche. À gauche, pardon, excuse-moi. Pour moi, ils font des bébés, tu vois. Ouais. Et en fait, ils sortent de leur zone. D'accord, ouais, bon, on va les. À l'attaque, là, dans 50 secondes, on va les gommer. On dort ouais, un ouais. coup et puis on y va. Ils sont en train de revenir, hein, maintenant, normalement, ils sont bons. Après, il y en a certains qui sont en bas. Ben, beaucoup, même. Si tu veux les faire remonter, t'appuies sur le petit soleil à ta droite, en dessous des niveaux. Ok. Je les refais revenir dans la zone des totems. Ouais, c'est en cours. En cours. Ok, ils sont là. Okay, je vois ici où c'est. Hop. Alors pour le moment, ça va, mais je crois qu'on va avoir un gros. Hein. Je suis pas sûr. Ouais, il y a un gros quand même qui est là. Pas un tout gros, mais tu vois. Ah, ok. Ok, donc ça c'est demandé. Dans la base, il y a du monde. Hein. Ah ouais ? Ouais. Ça va, on... Ah, ça se passe ? Ça passe. Ok, mais maintenant ils sont là aussi. Hein. En haut, ça se passe aussi pour le moment. Il y en a un qui fait mal là quand même. Hein. Ah, mes tours électriques, elles font du dégât. Hein. Ouais. Mais toi, c'est bien d'en avoir. Hein. Et en fait, un seul, je crois que ça va pas. Mais toi, si t'en mets peut-être 4 ou 5, tu vois, ça sera peut-être encore mieux. Ouais, bah écoute, c'est bon. Hein. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, moi, je vais prendre faire dans ma main. J'ai un rival pour l'attaque. Écoute, maintenant ils sont pas top, hein. Moi, il y en a deux, ils sont full vie. Et les autres, ils ont pris trop cher. Ouais. Hop. Bon. Allez, donc en tout cas, ici, il est en train de faire le maîtrise, on sait bien. En termes d'armure, voyons voir un petit peu. Le maîtrise, je peux faire déjà une pioche. Est-ce qu'on a l'épée en maîtrise ? Je sais pas, c'est quoi ça ? Armure de main.
L'épée en maîtrise, ça se trouve où? Se trouve là. Hein. Je ne la vois pas. Est-ce qu'on l'a débloqué? On va voir un petit peu ça. Si ça veut bien, merci. Donc on arrive déjà à la fin de tout ça. Alors l'épée, on l'a déjà. Épée en argent, attends. Ouais, l'épée, on l'a pas, c'est juste ici. Ok. Mais du coup, ouais, moi je vais faire tout ce qui est pioche. Rivo, je suis en train de débloquer tout ce qui est mithril pour les épées. Hein. Ouais. Alors, je vais pas peut-être encore en faire du mithril. Je l'ai détruit le camp du. Il y avait à côté du shop. Il m'a même pas entendu. Ça va, GG. Ouais, il y avait aucun monstre, donc j'en ai profité. Ah bah ouais, t'as gagné des ressources en plus. De nouveau, plus rien, hein, de nouveau. Et ici, il faut absolument une torche ici. Hein. Voilà. Il y a encore un peu de charbon aussi. J'essaie de le prendre. C'est un vrai labyrinthe, hein, ce que je suis en train de faire, mais bon, écoute. On va mettre une torche. Là, il a. Voilà. Allez, les nains. Un peu de nerf, là. On va attendre quand même de gagner un peu de. Tout ce qui est. Comment dire. La mana. Débloqué. De quoi? Moi, je dis les épées et tout. Ah, ouais, impeccable. Impeccable. Ouais, effectivement, ouais. Garder un truc. Ouais, c'est bon. Les armures, ouais, faudra faire. Ouais, oh, mais ouais. Ouais, ah bah écoute, moi je continue à faire de mes pioches et ouais. Hop, épée. Bah, écoute, je peux faire 3 épées en mitril. Le marteau, il sert à quoi le marteau? Le marteau? Ouais, j'ai un marteau en mitril. Je crois que c'est une arme. Ouais, bah écoute, je vais pas utiliser le marteau parce que le marteau. C'est. Écoute, moins cher. Il fait autant de dégâts. Bon, ouais, je vais faire le mitril. Argent, on a demandé pour qu'ils en fassent. On n'a pas de charbon en fait, hein. C'est la merde. J'ai un peu de charbon ici. Ouais, ok, nice. Et j'ai trouvé une source à charbon, Rivo. Ah, infini. C'est cool. On en avait pas encore, hein, je pense, hein, en charbon. Hein. Je crois pas. Donc ça peut être pas mal. Voilà. Pourquoi ça s'est pas enlevé ça? J'en ai oublié un ici. Non. Un bout rouge. Et en termes d'armure, toi, ils perdent 20 en agilité, toi. Ouais. Allez. Ça aussi là. Hop. On a miné ici. Encore des ressources ici. Là, on a encore de l'or. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et je vais me mute. Voilà. Alors. Mais c'est vraiment bien ça. C'est une bonne trouvaille là qu'il y a justement la ressource là de charbon. Parce qu'on en manque de charbon. Donc c'est pas plus mal. Ah oui, c'est ça que je voulais regarder. Aussi, c'était pour faire ça. Et on va en monter 5. Les cordes, je sais plus comment on fait. Bah, on peut en faire. Voilà, et on va après donc ici déjà équiper, parce qu'apparemment il y a quelqu'un qui peut déjà en avoir un. Je ne le vois pas ici. Ah si, il est là. Ouais, mais, ouais. On peut l'échanger en fait hein, par rapport aux autres hein, qui sont plus petits.
Ok, donc là, on va remettre une torche. Ouais. On va continuer à creuser ici. Voilà. Bon, ça prend son temps, hein, mais voilà. Finalement, c'est pas go les armures en argent, mais go le mithril en fait. Voilà. On va pouvoir. Il attaque. Ah, ouais. Casse déjà ça. Casse déjà même ces deux-là. Hein. Et puis on va venir par ici pour trouver le charbon. Alors équipé, est-ce qu'on a déjà. Ouais, on a déjà les épées. Écoutez, on va déjà les changer. Hein. Parce que l'épée qui est là, bah, fait 45 et l'autre il fait 40. Donc voilà, on va les échanger. Hop. Donc à chaque fois, voilà, ils vont avoir. Je les déplace en fait. Hein. Ceux qui sont moins bien, etc. Comme ici, exemple. Hop, voilà. Alors, on a la pioche déjà faite. Est-ce qu'on a un mineur? On a un mineur. On va pouvoir le changer. Donc, il va pouvoir extraction. Vous voyez, il est en train de dégâts extraction 150. Ici, c'est 15 et 60. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je ne sais pas où il est. Hein. Je ne sais pas où il est. Allez. Ici, on va mettre aussi une torche. Voilà. On va attendre un petit peu ici. Hein. Hop, ça va miner. Ça en mine. Ici aussi. Et on est reparti ici à miner tout ça. Ouais, on va remettre ici des escaliers. Par contre, ici, ils n'ont pas posé la torche. Hein. Bon, alors on va attendre un petit peu. C'est long, mais bon, voilà. Hein. On n'a pas le choix d'attendre. Alors, je sais pas s'ils peuvent monter, qu'ils peuvent monter là tout en haut. Oui, regarde, on les voit. Impeccable. On enlève tout ça. Hop. On va poser ici aussi. Bon, par contre, on tombe vraiment de... Hein. Sans commentaire, quoi. Hein. Allez. En fait, on gagne chaque fois de 1 mana à chaque fois. En fait, hein. On consomme autant de mana et... Vous voyez, c'est 5, quoi. Donc, je sais pas si c'est la zone après qui devient de plus en plus... dans le sens que voilà, une fois qu'on commence à miner, bah, comme on a déjà été là, bah, ça demande de plus en plus. Hop, on va descendre. Je vais enlever tout ça. Après, le charbon, en ayant le bloc ici, voilà, c'est. Il est plus dur, hein, le bloc, hein, donc. Juste regarder un truc. Voilà, impeccable. Allez, on continue. Il y en a trois. Okay, impeccable. Tu fais attention, on a une attaque dans 4 minutes. Oh, merci, merci. Effectivement, arrivant. Il fait bien de me le dire, parce que je l'avais pas vu. Je suis à fond là dans les ressources. Ouais, bah ouais. Je vais les faire dormir. Hein. Après, ça va, mais ça, ouais. Bon, bah écoute, hop, je les appelle pour qu'ils rentrent. Voilà, ils sont en train de remonter à la base. On va demander. Ah, les nains n'ont pas. Ouais. Oh, je sais qu'ils sont à l'abri. Ouais. Oui, arrête de me refuser le message. Ah, c'est chiant.
Voilà. Non, mes nains sont là. Donc, hop. Ça va, ils s'en servent finalement de tout ce qui est train ? Ou je sais pas ce que tu. Bah, pour l'instant, non, j'ai pas fait de sortie vers l'extérieur pour l'instant. Ok, ok. En attendant, moi je récolte tout ce qui est bois. Donc ils sont là. Voilà, on va demander ça aussi. Il faut que je fasse la bouffe aussi. Hop, qu'est-ce que je peux faire d'autre comme bouffe? Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Arrive, ok, ok, ouais, dans 15, 14 secondes. Attention, attention. Alors pour moi, il y aura du gros, hein. Pas pour toi. T'as toujours Adina? Je sais pas, on va voir. 9. À 9. Bientôt 10. Ok, c'est attaque par en haut. Et les sorcières viennent de là aussi, hein. Donc on a une tête bizarre. Une grosse tête. On a une tête moins bizarre. Ok, donc on a deux têtes qui arrivent vers nous, vers le haut. Oh, par contre, Ivo, les. Ouais. Je sais pas si tu les as déplacées ou pas. Non, les tours, elles ont été détruites. Par quoi? Je sais plus. Pour des bestioles. Mais je me doute. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Rivo, on est un peu dans la souffrance. Hein. Mais non, ils ont mal. Il y en a certains qui sont partis dormir. Ça se passe bien en bas? En bas, c'est bon. Il y a le mêlée en haut. Ouais, ils arrivent, ils arrivent. Nouvelle créature découverte. Descendre. Hein? Oh, j'ai le nain, il redescend. Débile. Quoi? C'est un truc. Hein. Bon, moi, c'est bon, hein, je pense. Hein, ouais. Il y en a encore un gros, il y a encore un gros. Hein. Ouais. On va s'attaquer. Donc il y a mitril qui va, mais la mitril elle est... J'ai le canon là qui tire là, oh, mais il l'a dégommé. Hop, je vais faire de merde tout le monde. Donc c'est fini en haut. Ça y est, il rejoue sur une eau. Bon, du coup, je vais mettre de la bouffe. T'as de la bouffe, toi, Rivo? Ah. J'en fasse, je crois. Ouais, ouais, moi, je suis en train d'en faire, mais je sais pas à quoi ça sert vraiment, en fait, la bouffe, hein, en vrai. À part qu'ils ont... Qu'ils mangent, bah, les mourir, quoi. Ouais, mais ils meurent pas, toi. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux leur faire? Oh. Ah. Alors, du coup, bah, on va les attendre, hein, qu'ils viennent jusqu'ici. On va peut-être remettre un petit chemin ici pour qu'ils puissent passer. Voilà. Alors, pourquoi ici ils ont... Ah oui, ils ont couru. Bon, je ne sais pas qu'ils pourront mettre ici, mais... Alors, est-ce que je peux équiper mes nains? Ouais, j'en ai 5 ici, impeccable. Alors, bon, on les échange. On va tous échanger par rapport aux autres, hein, qui sont, voilà, les plus émus. Hein. Si on regarde bien,
Ici, pense porter, augmente le nombre d'objets qu'il peut porter de, par 1. Ici, c'est par 2. Après, le coût, on le sait. C'est deux fois plus cher, en fait, hein, ce qui est normal. Ok, donc là, c'est bon. Enfin, c'est bon. Bon, on aura un de trop, ça sera pour le prochain. Ok. Donc, ici, hop, on va mettre une torche. Donc on met peut-être beaucoup de torches, mais bon, c'est pas grave. Donc il a passé la torche. C'est calme. Donc on va attendre quand même hein, d'avoir assez de mana, parce que voilà, mana c'est très compliqué à avoir. Voilà, charbon il a, c'est impec. On va mettre ça déjà, voilà. Donc en tout cas les amis, n'hésitez pas les amis, il ne me reste que un sub à avoir pour faire péter la Fumax. Donc n'hésitez pas. Voilà. Alors, moi la Fumax ça je peux faire, parce que pour moi je suis bien blessé au niveau de la cuisse, mais ça va un peu mieux, mais voilà. Pas trop forcé. Hein. Alors. On va voir. En plus si je peux pas équiper d'autres. Ouais, ici j'ai une épée. Je suis 130. De quoi, Rivo? Hein? De quoi? Rien. Ok. Il m'a papoté dans l'oreille, c'est pour ça. Ouais. C'est que t'aimes bien. Est-ce que là... Ah non, je pense qu'il y avait une autre épée, mais non. Bon. Alors, on va continuer à regarder si je peux pas faire des épées. Comme ici, ouais, je peux en faire une, impeccable. Alors, est-ce que je peux en fabriquer? Je ne peux pas parce qu'on n'a plus de minerai justement de ça. Oui, on attend vraiment la torche ici. Ce qu'il me faut, moi, c'est vraiment, du coup, ouais, revenir ici et continuer à miner en fait. Hein. Voilà, Revo a tout compris. Bah, on va continuer à creuser par là. Petite torche ici. Voilà. Bon, par contre, j'ai tellement envie de mettre un portail que ça va tellement plus vite. Ici, on a un corps ici, impeccable. Voilà, mais si le portail coûtait que 2, écoutez, vous voyez, il coûte 5 en fait. 6. C'est trop en fait. On va continuer à arranger ici le chemin. Ah voilà, ils ont pu le poser ici, impeccable. Comme ça, on peut le miner pour que ce soit plus rapide pour eux. Ok, donc ici, on va continuer à miner ici. Hop. De hauteur. Il y a des choses par ici, je ne vois pas. On va mettre quand même une petite torche ici. L'or en bas. Alors, est-ce qu'en bas, ils ont commencé à aller... non. Parce que je peux pas les enlever. C'est pas une blague à Rivo, mais je peux pas. Ici, combien ça coûte ici? Ça coûte 10 amis. On annule. C'est vrai que le mithril aurait été pas mal. Parce que là, j'en ai plus, on va dire. Ici, on est à fond sur le charbon. Là, on va redemander pour qu'il remine. Les nains là. Qu'est-ce qu'il est parti faire lui? Ok, c'est en train de récupérer ici les herbes qu'ils ont coupées aussi. Donc on a bien fait de prendre, de mettre les bah plus de les sacs hein, qui sont plus résistants. Ici on a attaqué apparemment ici. Ok, il y avait un zombie. Lui, il fait toujours les ragoûts. Allez. Donc, s'ils ont terminé le petit chemin pour eux. En tout cas, le charbon arrive. Hein. Alors, on va voir un petit peu pour l'or. On peut en faire. Mais attendez. Hein.
que moi je veux faire les épées, apparemment j'en ai une. Et pour faire les épées, hop, et je n'ai toujours pas Dimitri forcément. Qu'est-ce que je devais faire d'autre? Après, c'est vrai que l'or, on va en avoir besoin. On peut faire de l'or. Voilà. Comment ça, c'est fait. Et je vais pouvoir peut-être terminer ici. Ouais. Rivo, le travail de l'or, je l'aurais terminé. Après, on va débloquer la décoration de luxe. Il faut d'abord débloquer le reste, hein, il me semble. Hein. Les lits, etc. Totem. D'accord, ouais. Voilà. Ah ah! Oui, il peut passer. Donc, je sais pas si ça vient du DLC, ça, en fait. Hein. Il y a encore de l'or ici. Hein. Donc, ça, c'est bien. On va mettre une petite torche ici. On va remettre une autre torche ici. Et on va faire comme ceci. C'est de passer. Ouais, non, attendez. Et en fait, on va bien passer par au-dessus. Voilà, ici une torche. Voilà. Impeccable. Bon, par contre, en termes d'or, on a combien de charbon? On a que 19. Ça part trop vite en fait. Et ici, on a combien de minerais de fer? Ouais, on en a. Argent, on en a 49, ça va. Ici. Non, ah ouais. Voilà. Alors, on va voir en bas s'ils ont avancé, s'ils ont fait des choses. Écoutez, hein, Rivo a eu la même idée que moi. Je pense. Mais là, il y a encore des choses ici, hein, sauf qu'il n'y a personne qui va le chercher. Le problème, c'est que vous voyez, ici ça coûte 2, je le mets là, ça coûte 10. Donc c'est un peu compliqué. Bon. Alors combien ça coûte ici hein? 11, 5. Est-ce que là ça coûte moins cher ici? Et quoi, on va le poser. Comme ça, on va terminer ça ici. Au moins. Voilà, on a tous les nains qui arrivent. C'est pas plus mal, hein. Voilà. Là, il y a de quoi faire. Livre de chasseur. Non, peut-être. Non, on va attendre à mettre là la torche. Le problème, c'est que tout ça, il faudra le creuser pour pouvoir le libérer. Hein. On va voir qu'il se recharge lui aussi. Tout ça, ça va partir. Voilà. Bon, combien de temps il reste? Il reste encore 1 minute 3 ici. Faut que je regarde l'heure un petit peu, ça va. On demande de construire ici. Bon, mais ça, je le casse, ça tombe sur nous après. Attaque dans 1 minute, Valdi. Ouais, merci, merci. Écoute, je les fais dormir. Hein. En vrai, par chance, ils sont pratiquement tous bons. Je les fais tous rentrer. Waouh, waouh, waouh. Allez, là, allez, cette merde.
contre l'astuce, faire comme ça, non? Oui. Voilà. Ok, ils attaquent. Alors le portail, je ne le vois pas encore. Ok, il est en bas à côté de l'eau. On a deux gros. Il y a beaucoup à droite. Hein. Comment ça se passe en bas, Rivo? Et Rivo? Ouais, ça se passe. Ouais. Normalement ici. En haut, t'as besoin d'un coup de main? Bah écoute, pour moi ça passe, hein, mais wow. ça va être compliqué. Ouais. Il y a une immense, ouais. Ouais, ça craint du boudin même. Surtout ceux qui viennent de gauche en fait. Le tout gros il est mort? Ah non, il arrive. Ouais, il arrive. Et tu aussi. Allez, hein. C'est bon, il est mort, GG. GG à toi. GG à toi aussi, hein, merci. Et bonjour! Hey, salut Alex, comment tu vas, Alex? Comment vas-tu, Alex? Bon, on va les faire dormir. Ils reprennent de leur vie. J'espère qu'il va aller aussi, lui. Toi, tu vas dormir aussi. On va tous aller dormir. Ils récupèrent tous de la vie et puis on va repartir, justement, miner. Bien, je suis en week-end et je configure ma nouvelle TV 4K. Ouais, c'est vrai qu'il y en avait une qui avait lâché, il me semble, hein, ta télé, il me semble. Hein. Ouais, le week-end. Alex demande, oh, merde. Alex demande comment tu vas, Rivo. Bah, ça va. Il va bien. Ouais, écoute, apparemment, il va bien. Impec. Ok. Voilà, j'ai eu un succès qui vient d'être déverrouillé. Ah, je vais. Ouais, merci. C'est le talent, entre guillemets. Mais ouais, ici on a eu un problème. Attends, une petite TV QLED de Samsung 55. Ouais. Mais ouais, on devait faire du Minecraft, mais voilà, petit souci serveur, du coup, voilà, on vient ici. On continue le jeu d'hier. Voilà. Alors ici on avait trouvé d'autres trucs. Et toi, t'as pas live ce soir? On va continuer peut-être. Oh, le charbon ici, ouais. Il manque une torche. Hein. Je vais mettre comme ça. Vous pouvez pas, vu que je changeais de TV 4K. Bah ouais. Ah ouais. Moi en tout cas, c'est que la semaine prochaine, j'ai un changement de programme. Je crois que je sais pas si je l'avais dit. Hein. Si je l'avais dit hier ou pas, je ne pense pas. Donc il y aura, ah ouais, non, ça va, 700 pour une culette, ça va, hein. En vrai, ça va. Culette, ça vaut cher. Cloud gaming inclus. Hein. Après, tu l'avais déjà, le cloud gaming, je pense. Ouais, donc du coup, normalement. Donc il n'y aura pas de live ce week-end, hein, mais il y aura donc un live normalement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il n'y aura pas de live. Et il y aura live du coup samedi et dimanche, voilà. Oui, mais là j'ai Force New sur la TV, donc je PC sur la 55. Scloud aussi. Et toutes les télévisions sont aussi, parce que ici je me suis aussi pris une télévision, une Sony. C'est une 55 aussi, je pense. Ou 65, je sais plus.
Et avec en plus la webcam dessus, voilà, qu'on peut commander par les gestes, etc. Et on peut aussi installer GeForce dessus. D'ailleurs, je l'ai installé, mais bon, j'ai pas de compte. Je veux juste voir comment ça fonctionnait par curiosité. Voilà. HDMI 2.1 pour PS25 et Series Box. Bah ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Moi, j'avais pris, c'était la Sony, bah, la modèle 2022. Hein. Voilà. Ici, on va mettre aussi, on va mettre une torche. Voilà. Mais c'est, voilà, la webcam, c'est bien, mais il faut avoir une bonne lumière, quoi. Sinon, pour tout ce qui est gestuel, ça fonctionne un peu moyen, quoi. Pour tout ce qui appelle vidéo ou quoi, ça peut être pas mal. Voilà, en télé. Hein. Après, ce qui est marrant, entre guillemets, dans les télés, c'est que si tu vas voir le modèle, exemple 2022 ou 2023, faut toujours attendre vers la fin de 2022, enfin, fin de l'année, on va dire, pour pouvoir avoir celui du modèle, en fait. C'est assez... Voilà. Ils sortent pas tous en même temps, en fait. Après, ça dépend peut-être des marques, hein, mais voilà, je parle pour Sony. Après, voilà, moi, je suis plus Sony personnellement. Bon, voilà, bon, est-ce que tu aurais du quartz, par hasard, Wendy? Du quartz? Oui. Ça ressemble à quoi? Des quartz. Hein? Du quartz. Merci, Rivo. J'adore ton quartz. C'est Pierre qui font des petits pics. Ouais, des cristals. Ouais. Non, j'ai pas de quartz. T'en as pas? Non. Je vois pas, mais j'en vois pas en tout cas. Désolé. T'as besoin pour quoi faire? Pour faire des tours électriques. D'accord. Et j'en vois, je te le dis. Tout ce que j'ai vu, je suis en train de le faire récupérer. Ouais. Mais je sais pas où tu l'as, ça. Tu l'as où, ça, le cristal? Dans les grottes. Dans les profondeurs tout en bas? Non, il y en a en haut aussi. Ah ouais? Il y en a un peu partout, ouais. Ok. Ok, ok. Je regarde un peu. J'ai pas appelé la Google là. D'ailleurs, on va encore jouer pendant une heure hein, environ. Alors, je vais pouvoir jouer tranquillement allongé dans mon lit. Lol. Je passe de. Ah ouais, d'un 40 à 55. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que ça, c'est. Ça change. Hein. Pourquoi il y a du bloc ici? Rivo, j'ai une question. Dis-moi. Pourquoi il y a des blocs volants au-dessus de notre base, là? À droite? Un petit peu, là, tu vois? Il y a. Pose pas de question. Hein? Pose pas de question. Qu'est-ce que t'as fait? J'aurais pas de réponse, c'est ça? Ouais. Oh, misère. Bon. Mais ouais, non, sachant que moi j'en avais. Non, j'avais une 65. C'est normal, c'est parce que. Ouais. Ils sont magiques, donc ils sont volés. Quoi, les blocs? Réponse de merde. Ouais. Les blocs sont magiques. Ah, bah écoute, j'ai envie de dire bonne réponse. Hein. Bon. Sans commentaire. Mais ouais, j'avais une 65, j'ai pris une 55 ici, je crois. Et ouais, c'était un peu grand, quoi. Mais sinon, ouais, ça passe, quoi. Après, trop grand, bon, c'est bien, mais est-ce que ça sert vraiment, quoi? Je sais pas. On va peut-être mettre une torche ici aussi. On va côté, on va continuer. On va prendre le bloc ici pour le maîtrine. Donc ici, on était où ici? Celui-là, on va le laisser. Hein, tant pis. Et on va l'éliminer aussi. Ici, il y en a encore. Hein. On va aller le chercher. On va descendre le chercher. On va mettre une petite torche. Hein. Ici. Et là, on va continuer à miner pour chercher l'or, en fait.
Je sais pas si ça va casser ou pas. Au pire, oui, je vais devoir pouvoir mettre l'escalier par la suite. Voilà, on met l'échelle ici. Voilà. Voilà. Après, tu peux aussi, Alex, c'est mettre Steam aussi dessus. Hein. Mais il faut la manette, etc. Alors, ce qui est... ce que je trouve ça, en fait, dommage, c'est que j'ai essayé, en fait, de... Attends, je sais pas si je pourrais l'avoir. Lui. J'ai essayé de... Ouais, on peut. Comment dire, de le faire. Je sais que je peux le faire. Sauf que, ben, voilà, moi, j'ai la manette Steam officielle. On peut mettre d'autres manettes, hein, je pense. Merde, on perd l'eau. Oh, merde. Ouais, logique. Mais le problème qui se pose, c'est que en fait, il faut avoir le PC qui est pas loin. Est-ce que tu saurais déplacer ton coffre, s'il te plaît? Non, je sais pas comment on fait. Mais tu cliques dessus. Ok, mais d'abord, il faut peut-être faire dormir les nains. Ouais. Parce qu'on arrive bientôt. Minutes, ouais. Ouais. Y a, les attaques, c'était à 16 minutes, tu vois, et ça va trop vite, en fait, en vrai. Ouais, ouais. Va dormir, toi! Ok, donc je prends mon coffre. Ah ouais, je le casse? Mais après, je peux. Ouais. Il faut que j'aille le chercher après. Où ça? C'est dans. Dans. Là où il y a l'échelle, dans l'atelier. Oh le bordel. Ok, Rio. Ouais, mais. Bon, je vais prendre sur celui-là. Et je vais le mettre. Ouais, ah, oh. Je l'ai bien positionné, là, Rivo. Le mieux. Ils volent pas mes affaires! Ils volent mes affaires. Non, normalement, je les prends pas. On vole! Pourquoi ta paire elle est rouge quand tu la mets sur ton dos? Je sais pas. T'as des sacs à dos ou pas avec toi? Non. Non. Bon, je vais faire monter. Je vais faire monter parce que l'attaque arrive. J'ai demandé aussi déjà. On coupe tout ça. En termes de ressources, ouais, rien. J'ai rien. Attendez. Voilà. Bon. Allez, on va les libérer. Qu'ils puissent couper. Non, c'est pas ça. Couper les arbres. C'est un 30 secondes d'attaque. Ouais. Après, il n'y a plus de bouffe. Il n'y a plus de bouffe, Rivo. Ils mangent comme des chiens galeux. Hein. Faut en faire. Hein. Ouais. Mais. Mais j'ai. Ouais, j'ai plus rien pour faire. Ah ouais, mais j'ai. Normal, j'ai pas mon coffre. On a attaqué là. Ah, il faut que tu repousses ton coffre, toi, de le reposer direct. Ouais, c'est fait. Mais il faut qu'ils prennent toutes les affaires en fait, qui sont là. Ah oui. Donc il y a pas mal d'affaires et ça va prendre du temps. Donc, pour le moment, je vais rien leur demander parce que. Ouais. Et donc ils arrivent aussi à gauche, moi de côté, à droite, pardon. Ils sont beaucoup dans la base? Non, ça va, il y a quasiment rien. Dans la base, c'est bon. Ouais, mais j'ai encore beaucoup de mobs là qui sont à droite aussi, à gauche, pardon. Ouais, je les fais venir. Ouais, ici. Et surtout, j'ai des gros en fait. Voilà.
récupérer ça aussi. Allez les nains là. Heureusement qu'on a les autres Gugus là qui me ramènent les ressources. Les volants. Ouais. Ok, là je peux faire un peu de bouffe, je peux en faire deux. Non, il faut de l'or. J'en ai 35 là qui m'ont bien popé. Il faut de l'or. De l'or, c'est que j'ai vu qu'il y en avait. Je sais pas. Mais j'ai vu que où je suis, il y a de l'or. En train d'en farm justement. Bon, je vais faire dormir mes nains aussi. Là, faut qu'ils récupèrent leur énergie. Mmh. Tu vas dormir aussi. Va dormir, dors déjà. Voilà. Écoute, voilà, tous mes nains dorment. Il y en a qu'un qui dort pas, voilà, deux qui ne dorment pas. Je sais pas comment toi ça a été l'attaque. Bon, pas le temps de dormir. C'est... Ah ouais? Attends, on va regarder. Fais gaffe, hein. Je vais balancer au boulot direct. Ils vont dormir quand ils en pourront plus. Sauvage. Oui. Alors, je vois si tu peux faire encore de la bouffe, je peux encore en faire. En tout cas, voilà, n'hésitez pas en tout cas, voilà, les amis, de vous follow, si ça fait plaisir, c'est gratuit. Grand plaisir, si, voilà, si vous voulez me voir dans la Fumax, hein, n'hésitez pas. Il me manque un sub, on est bien bien descendu, parce que voilà, j'étais un peu inactif via mon problème PC. Enfin, plutôt Internet, en fait. C'est pas un problème PC, mais plutôt Internet. Ici, on a du métal, je crois. Le cristal, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, on va aller le chercher. Il va continuer à miner par ici. Voilà, on va aller chercher l'or aussi qui est par ici. Ah bah. Il a trouvé mon or. Tu le voles mon or, au vol, au vol. On en a encore ici au pire, hein, c'est pas grave. Est-ce qu'on en avait vraiment besoin maintenant? Pas forcément, mais... Hop, ici, voilà, on va casser tout ça. Et on va récupérer ici, voilà, l'or qui est ici. Pas énorme, mais bon. On va mettre une torche. Ici, on va continuer en fait l'escalier. Par contre, c'est bizarre comment elle tient ici tout droit. Ouais, ouais, arrête de rouspéter là. Attends un peu de patience. Je vais voir si je peux pas fabriquer des échelles, mais j'ai pas de bois. Et j'ai plus de bois, donc on va aller chercher bah voilà, hein, à la surface. Un peu de bois. Bon, on va perdre un peu de temps, mais bon. Mouton. Si on pensait à couper, hein. De temps en temps, voilà, on va prendre tout ça. Merci. Ça fera déjà du bien. Ok, donc on était où? Donc on était ici, on avait demandé l'or d'ici de couper, impeccable, ils le font. Pour le bois, bah, bon courage à toi, et on va annuler celui-là, parce que là il y a une grotte en dessous. Voilà, on va éliminer ça aussi. Ouais, c'est un peu compliqué là, hein. Lui, il va avoir du mal pour monter. On va voir un petit peu aussi si on a du mithril aussi. Mithril. Ouais, on n'a pas. Bon, mais on a une, apparemment une épée et une pioche. Alors, terre de pierre, on va la laisser. Ouais, on va lui donner. Voilà. Épée, donc lui, il y a lui là. Lui. Hop, on va l'échanger comme ça. Hein.
Voilà. Ah, regarde. Ok, donc là, on a un livre de forgeron, on le prend. On va aussi mettre ça, une petite torche ici. Hop. Alors, est-ce qu'ils ont récupéré du bois? Toujours pas. C'est un peu la merde, hein, pour le bois. Est-ce qu'ils vont pouvoir le couper? Donc, ils sont en train de le couper, justement. Le mec, là, il est ramené. Il prend, mais il prend pas tout. C'est un peu... Mais bon. Commence à couper ici, mais c'est pas... pas top top. Révo, qu'il y a beaucoup de nains, d'ailleurs, hein, qui ne font rien. Alors... Le métril, j'en ai pas. Hein. L'or, je peux en faire un, je vais le faire. L'argent, je peux en faire 24. Je vais le faire parce que j'en ai besoin pour les armures. On peut regarder le métril. L'argent, oh, peut-être pas en fait, je sais pas. bon, voilà. Là, on est à fond sur le bois. Donc voilà, toutes nos affaires ont été déplacées, normalement. Alors. Est-ce qu'on a maintenant... On en a un petit peu. 5. Ça nous permet d'avancer un tout petit peu sur les escaliers. Pas énorme, hein. 2. On va pouvoir les mettre. Je ne sais plus où j'étais en fait. C'est dommage qu'on n'a pas des repères en fait. Hein. Parce que là. Je ne sais plus. Ah oui, c'était ici. Ok, alors torche. Et là en fait, c'est de l'eau ici. Hein, donc on va laisser tomber ça. C'est juste des cristaux. Rien de, hein, de très très important, du moins pour le moment. Attaquer on a vu en hauteur effectivement. On doit faire encore une échelle en plus. Je peux parler parce qu'il y en a ah aussi. Voilà une échelle. Une seconde. Rivo, t'as mis autant de bois là Pourquoi il y a autant de bois? Comment ça, il y a autant de bois? Bah, prends du stock public là, du bois, il y a plein de bois. Ah ouais? Ouais. Ah, tu sais, depuis le début, on tourne autour des 1000 de bois dans le. Ouais, mais public. J'ai pas de bois moi. Bah, prends-en. Ouais, bah, écoute. Ouais, merci. C'est là pour. Je prends, Rivo. Je suis à fond dans le bois. Et ouais, je sais pas. J'ai pas de bois. Par contre, dans le public, ils vont les mettre dans mon coffre ou comment ça se passe? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ils le mettent dans ton coffre. Ok. Par contre, fais attention, hein, je vais voir pour déjà les faire dormir. Mais bon. Ouais, si tu veux. C'est bientôt, bientôt l'attaque. Ouais, dans 5 minutes. Oui. Il va dormir, c'est bien. J'ai de nouveau mal au poignet, c'est quand même incroyable. Hein. J'ai plus l'habitude, c'est incroyable. Parce que voilà, il faut savoir que quand moi je joue pas, enfin quand je live pas, je joue pas. Regardez. Dans 4 minutes, Rivo.
voilà, mais c'est vrai que voilà, quand je live pas, bah, je ne joue pas en fait, les amis. Donc du coup, ouais, mon empoignet, il est un petit peu, il est un peu en dèche là. Alors, après, ça, le petit repos là va me faire du bien. Du week-end. Ce que je vais faire. Et je vois si je peux pas encore prendre du bois en fait. Hein. On rentre par 50. Voilà. Ouais, ouais, j'ai pas énorme de bois. J'en ai toujours besoin. Et là, je vais faire des torches aussi. On va les appeler aussi. Ouais. On va les appeler aussi pour que tout le monde remonte. Parce qu'il y en a qui sont en bas. Voilà. On va voir pour fabriquer des torches. On a un de charbon. C'est pas top ça. Hein. Alors, les torches. On trouve ici. On peut en faire. Ça, ça va. 40. Merci au bois. Hein. Même comme ça, on peut voir que hein, j'ai pas énorme de bois. Bah, on va continuer à en prendre. Bah, ça va permettre d'avancer aussi. Ok, est-ce que maintenant, ils sont presque là ou pas? On va les envoyer en haut. On va ouvrir la porte. Voilà. Vous allez pouvoir se décharger dans mon coffre et tout. Ce qui est bien avec le coffre qui est en bas, c'est qu'ils n'ont pas besoin de sortir en fait pour les ressources. Et donc le fantôme ne jette pas les ressources. Attention, Rivo dans 45 secondes, 44 secondes, il vient attaquer. Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai que. On pourrait enlever un lit en vrai, mais en gros, je sais pas. Hein. Portail ouvert. Ils arrivent. Ouais. Ok, donc à droite. Ouais. On occupe de ceux qui arrivent dans la base. Ouais. Il y a quoi qu'est-ce qu'il y a à la base? Pour l'instant, c'est que des petits. Il y a un dragon. Moi j'ai quand même quelques plus forts là. Okay, je pense pas que ça va aller. Oh, moi il y a du monde en bas. La base. Ouais. Oh oui. Faut que je vais vérifier. Effectivement. J'ai demandé là pour que les miennes viennent aussi pour toi. Normalement, moi en haut c'est bon, donc ils arrivent vers toi. Ok. T'as trouvé. Oh punaise, t'as tué un dragon, t'as eu 3 pièces d'or. Wow. T'as vite les voler. T'as combien de pièces d'or? Quoi, t'as rien entendu? T'as combien de pièces d'or? Là j'en ai plus que 2. T'as acheté quoi? J'ai acheté des maisons de gobelins pour qu'ils nous ramènent les ressources. Ah. J'achète un truc? Hein? J'achète un truc? Non, pas besoin. Ok. Non, j'ai racheté juste 2 petites maisons de gobelins. C'est ceux qui transportent les ressources, là, les petits gobelins bleus. Ouais. Pour qu'on en ait un peu plus. Et plus vite. Ouais, ouais. Ok. Bien, bien, bien. Alors, nous, on était où, nous, les amis? On était plus ou moins par ici, mais ça, je sais plus. C'est vrai que voilà, un petit repère en fait pour dire voilà, on est là. Il faut qu'il est à fond sur le. On était ici, hein, je crois. Ouais. Il est à fond sur le mithril. Et en fait, ici, on n'aura plus de quoi prendre après l'or. Ici, on en a encore ici un petit peu. On était plutôt ici, non? Enfin, on va descendre par ici aussi. Voilà, on va mettre une torche ici. C'est vrai qu'on avait cassé ça ici, on n'avait pas terminé.
Donc ils vont terminer ici, impeccable. Ici on a quoi? Ici on a rien. On regarde un petit peu voir si on peut pas faire des choses. Comme des pioches exemple, on n'a pas de mithril. C'est ouais, c'est un peu là. Le charbon aussi à ce que je vois. Hein. Alors ici on a de l'argent, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'argent aujourd'hui maintenant? Je ne pense pas. Alors, est-ce qu'on a du charbon? On a du charbon ici un petit peu. Charbon ici, ouais, avec 3. Charbon là. En vrai, on peut aller le chercher lui. Hein. On mettra une torche hein, par la suite. Ok, bon. Alors, on était ici, donc ça c'est ici, c'est terminé. On va mettre une torche ici. Voilà, ici on était ici, impeccable. Voilà, escalier. En termes d'or, on a que 5, hein, donc c'est bien d'en faire. On va m'en donner une torche aussi. Bon. Pour le charbon, effectivement, il se re-remplit. Hein. On va demander du charbon ici infini parce que sinon. Est-ce qu'ils sont là-bas aussi? Je ne sais pas. Ah, ils sont là. Voilà, impeccable. Attention à lui hein, qui va casser aussi. Bon. On a 51. Bon, pour moi, on sait pas faire grand chose pour le moment. Ouais, cette herbe-là, au moins. On va rebouffer ça. Pas si c'est fait exprès ou pas. Les ennemis nous pénètrent par là. Attends, j'ai été mis ici, Becca. Alors, ici. Hein. Je sais pas si on aura assez de lumière. Mais bon. Alors ici on était en haut. Hein. Donc on va revenir ici. Hop. Rivo, j'ai ouvert un portail de fourmis. Hein. Ouais. Ouais. Je viens de te faire un coup de main. Ouais, si tu veux bien, ouais. Et Un peu où? la mouise. J'ai demandé là qu'ils viennent attaquer, toi, mais. T'es tout à droite, ok. Ouais. C'est bizarre qu'il n'y a pas de nid en fait. Après voilà, j'ai demandé, tu vois qu'il ouais, ils sont morts, Comment ça va? impeccable. Wow. Après voilà, ils savent pas qu'ils ont à faire, tu vois ce que je veux dire. Voilà. On aura pas mal de torches. Ok. Donc j'espère qu'Alex la thé s'installe bien. Attention dans 10 minutes, hein, ça va vite. Ouais. Alors. Ici, on va attendre avant qu'ils installent ici la lampe. Impeccable. C'est ça que je voulais faire. On lui va poser la lampe. Oh, on a du mithril ici. Enfin, c'est rivaux. Alors lui, il va faire quoi? Voilà, il va mettre la lampe. Impeccable. Évitant d'avoir de quoi que ça pop, hein, des monstres quoi. Oh, le mithril là, il a laissé tomber. Voilà.
Oh, le livre du guerrier, impeccable. Voilà, ce qui nous fera un petit peu plus de charbon. Ici, on va redemander ici pour le charbon. On va retirer ici une mine à la sauvage. N'hésite pas à déclairer un rivo, hein, pour éviter qu'il y ait des trucs qui pop. Ouais, ouais. Il y en a un peu de charbon, il n'y a pas grand-chose en charbon. C'est la merde en charbon, hein. Ce que je vais faire, je vais... ici, on va aller par là. Et je vois ici qu'il y a des ressources, il y a du fer ici. On va le prendre, hein. On va le prendre et voilà, on va essayer de chercher bah, tout ce qui est charbon. Ici, on n'ouvre pas parce que là, il va, lui, il va casser la tête. Oui, là, j'ai pas pris. Alors, santé basse. On gardera après pour les autres. Ici, hop. On va continuer à miner. Ici, on a du... Alors, on va aller chercher l'or ici. Allez, vas-y. Et on a un poisson, qui reste dans les profondeurs. Après, il faudrait qu'il installe ici. Là, alors. Ici, il y a une autre base. Regardez, il y a un monstre ici. Regardez ici le charbon. Hein. Le charbon, il faut l'avoir dessus. À lui là, non? Ouais, hein, il devient bleu quand c'est pas à moi. Ah ouais, regardez, non? Je ne sais pas. Alors, on va continuer ici. Hop, oh, ils prennent du temps. Hein. C'est bon. On a récupéré l'échafaudage. Pour le moment, le mithril est vraiment compliqué à avoir. Attention, ici on va descendre par ici. On pourrait le tuer, mais bon voilà, on va laisser là pour le moment. Allez, j'ai fait un portail ici. Mais non, c'est trop cher. C'est trop cher en fait, les amis. Et là, je vais poser la petite... ici aussi. Oh, attends, un fragment de grand portail. T'as vu qu'il y avait un truc de fragment? Ah, t'as vu qu'il y avait un truc de fragment? Ouais. Ça vient d'où? J'ai cliqué dessus, ça m'a fait apparaître dans... Ouais, t'as vu, ouais. Moi aussi. Dans le noir. Ouais. On est pas loin, hein. Pas loin de notre base, hein. Ouais, mais de toute façon, ouais. Ouais, après, il faut tuer tous les gardiens pour... Enfin, les 11 gardiens pour... C'est ça, ils trouvaient vraiment le gros boss, quoi, mais ouais. Ouais. Allez. Faut faire dormir les nains, Valdis. Ah ouais, 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 bien vu. Faut que je chope un nain, là. Toi, tu dors. Tu vas dormir aussi. Tu sais quoi, je mets tout le monde à dormir, comme ça, ils montent, tu vois. Ouais, mais c'est ce que je fais. Au moins. Allez, là. On va couper... On va d'abord couper cette droite. Cette droite, on prend ça aussi. Hop, ne pas hésiter de tondre à chaque fois un mouton. Hop. Voilà. Un petit pipi hein, qui se prépare, mais bon. On va voir si ça va s'en tenir, on va dire.
Ah, il est en train de faire enfin les blocs de d'argent. Alors, voyons voir un petit peu. Bon, le mitril, on l'a pas. Ah, si, on en a 4. Voilà, bon, on va les faire aussi, du coup. Voilà, impeccable. Est-ce qu'on a de quoi équiper les choses nouveaux? Non. Non. Bon, je continue à regarder un petit peu ce qu'on a. Le charbon, voilà, on va demander hein, le charbon. Faut le faire, le charbon. Donc, on était plus en bas. Ils sont là dans une minute. Ouais. Bien vu. Allez, mais ça va tellement vite, un rivaux, hein. En vrai, c'est. Bah, il a abusé. Hein. Ça sent de pas faire grand chose en fait, entre quand, le temps qu'ils vont dormir et le temps qu'ils montent et tout, tu vois. Ouais. Et la mana qui prend beaucoup trop de temps en fait à remonter. Et dans 10 secondes. Allez, c'est parti. Hein. Pourquoi ça bloque à 1 aussi quoi. Portail en haut. Ils sont tous en haut les portails. On en a 3 à chaque fois. Hein. Ouais. Beaucoup de volants. Ah non, il y en a 4. Il y en a un autre dans la base. Ouais. Je m'occupe de celui dans la base. Hein. Ouais. Beaucoup de volants. Mais vraiment. On a des têtes en plus. On a des grosses têtes. Hein? Je crois que mon écran il s'est mis à vibrer. Ton écran? Ah ouais, parce qu'il y a un gros. Ok. Et j'ai des santé basses déjà. Alors je sais pas où il est, le fort. Ah ouais, regarde tes... Ils ont détruit toutes mes tours. Ah ouais, mais ça va vite hein, tes tours. Hein. On est un peu dans la sauce là en haut, hein. Je sais pas comment ça se passe en bas. Ça finit en bas, c'est bon. C'est GG, mais là en haut, c'est... C'est la merde, hein. Bon, ça tient, mais... Ça coûtait cher faire les tours. Ouais, ça coûte cher, ouais. Oh, en plus. Bon, bah, ça a l'air d'être bon, hein. Bon, je vais les voir pour les faire... pour les faire dormir. Alors, regardons un petit peu. Voilà, on est bon. Hein. Par rapport à ça, on est bon. On va sur les lingots. Alors, on va voir ici, du coup, hein, pour à fond dans la recherche voilà, de tout ce qu'il faut. Hein, par rapport par rapport à comment on appelle ça encore au charbon. On va mettre une torche ici. Il y en a ici qui arrivent, impeccable. Regardez en bas où ça en est. Torche, on a un truc là en haut, on va en voir pour essayer de monter pour voir ici les échelles. Je crois que j'ai trouvé la ressource hein, que je cherchais. Voilà, exactement. Attendez, bon, j'espère que Jérivo va pas le voir, pas directement en tout cas. On va miner comme ça. J'en ai vraiment besoin et lui était vachement ici. On va voir. C'est un peu la concurrence. Alors lui, il est à fond dans le charbon impeccable. Alors combien de charbon maintenant? Il y en a 17. Hein. Alors voyons voir si on ne sait pas faire maintenant des émeraudes. Enfin, de... Un coup de mitril. On peut toujours pas en faire. Hein. On a un peu tout le reste, mais voilà. Il n'en manque que d'autres. Même le casque. Hein, le casque en mitril, il est où? Il est là. On n'a rien quoi donc
Après l'or, l'or ça se construit. Je peux encore en faire 8. Hein. Voilà. Ici on va encore en prendre de toute façon. Il y a une araignée ici qui va nous casser la tête. Et pourquoi je peux pas. Je peux pas tuer la plante? Ça dégage. Ça dégage. Et là, ça dégage aussi. Voilà. Arrête de respecter là. Torche. Et là, on a notre donjon en fait. Donc, on va aller un peu le voir. On va mettre un portail ici. Ça coûte cher. Ça coûte très cher, mais bon, voilà. On n'a pas vraiment. De temps on va dire et qu'on en a besoin de Dimitri. Oui. attendez, je regarde un petit peu. Ok, donc, ouais, c'est vraiment un très bon jeu hein. Franchement je vous le conseille hein, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Alors je sais pas s'il est sur Instant Gaming hein, donc si vous voulez le jeu regardez ici, point d'exclamation les amis hein. Voilà, IG, voilà. Vous allez avoir un partenaire à Sound Gaming, n'hésitez pas à cliquer dessus. Vous allez me soutenir hein, à la valeur de 3% du jeu, hein, c'est pas énorme hein, sur la valeur de votre jeu. Mais voilà, ça me soutient et voilà. Ça fait plaisir. Et vous payez rien en plus donc. C'est tout bénef. Ok, ça, voilà, ça place. Nouveau fragment là! Ça m'a téléporté! Ouais. Ah ouais? Ouais! Ah bah normal, tu cliques dessus. Non, je viens de cliquer là. Pour voir. C'est bizarre. Alors. Le portail qui va bientôt se terminer. On va mettre encore une échelle ici. Et ouais, il va falloir qu'on mette ici une torche. Hein. On a encore un peu d'or ici. Alors ici, on va pouvoir avancer. Alors ici, on a trouvé un truc. J'ai trouvé un truc bizarre ici, tout en bas. Dis-moi où ça? Tout en bas où? Ouais, où je suis en train de miner. Ouais. Il y a un genre d'un téléporteur, je ne sais quoi. Oula, je laisse regarder. Tout en bas? Là où t'as un qui est tout seul en train de miner? Ouais, où il y a. Ah, ouais, je vois. Au-dessus, là. Ouais. Ok. Bon, je pense que ça doit être un petit boss, ça, non pas, mais t'as des oiseaux, toi, hein, j'ai cru entendre. Des oiseaux? Ouais, ouais, j'ai entendu un oiseau. Là. Ah. Oh, yeah. Allez. Donc, là, franchement, le mitril, là, franchement, il est trop bien. En vrai, il est trop bien, il nous sauve là. On a vraiment besoin de ressources. On va remettre une torche. Ok, voilà. Hein. Beau mitril. On va poser l'escalier, impec. Alors là, on se fait d'abord qu'il chope ici l'or. On va voir maintenant si je peux pas en faire en fabriquer du mitril. Hein. Donc je peux faire ici une pioche, on va en faire une. Et je peux en faire 5, voilà. On va voir aussi pour le bloc de charbon aussi, hein, où il en est. Mais il est capoute, hein. On faudra le voir retrouver un autre ou d'autres charbons. Mmh. Échelle. Ici, on va continuer. Ah, mais il est par là. Alors, on était aussi au-dessus. Attention. Hein. On se dissipe, mais on était ici aussi. Hop. Bizarre, on va enlever. Hein. Et le fer.
Ici, il y avait une torche. Et on a un grain ici, hein, de graines, il me semble. Alors, on va continuer ici à miner. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, retourne en bas. Ici, il y a encore de l'or. Oh, pour fabriquer des échelles encore. On peut les faire, hein, directement manuellement. Bon. Voilà. On va passer une torche aussi. Ici. Alors, par contre, ouais, j'ai plus de. Les nains, ouais, parce que ça coûte tellement cher en fait. Si vous voulez. Portail, sur, voilà, vous voyez. 16. Ici, par contre, 10. Ouais, peut-être que. Vous savez quoi? Je vais mettre ici. Ça fera déjà beaucoup moins de trajets à faire pour eux. Je sais pas, les miens. J'ai demandé. Non, j'ai pas demandé. Si j'ai demandé ici une torche. Ici. Hein. Alors la torche ici. Voilà. On peut le voir. Le mithril est là, les amis. Tout le mithril, ça c'est top. Evo ne l'a pas vu, hein, donc du coup je le prends. Équipé. C'est tout en fait. Attention, tech dans 5 minutes, Valdé. Merci, Rivo. Merci. Alors, on va justement. Je retire la torche. Mais. Je vais prendre un autre nain. Alors, lui, c'est bon. Lui, il va dormir. Toi t'es bon, toi tu vas dormir. Toi t'es bon, toi tu vas dormir. Bon. Ok, voilà, déjà. Écoutez, on est bon. On va déjà demander de couper l'arbre. De tuer le mouton. Voilà. Et on a toujours lui, hein, qui est au-dessus, là, en train de récupérer des ressources. Donc on va attendre peut-être à une minute et demie, le temps de remonter Nona en fait. Voilà. Au moins comme ça. Ah, on est encore ici les amis. Alors j'espère m'en souvenir, hein, la prochaine fois. Rapport au live, parce que je pense pas voilà, encore, voilà. On a 15 minutes, je sais pas si dans 15 minutes on a le temps de faire tout ça, hein. On pourrait voir pour mettre un portail, hein. Et de toute façon il va avoir l'attaque, donc ouais. Là il y en a tout plein, ça peut être vraiment bien. On a mis pour la torche. Allez. Ils sont bons, tes nains, ils sont en forme. Ouais. Okay. Moi, je vais les faire monter. J'attends encore un tout petit peu. Je les fais monter là. Je les fais monter. Comme ça. Oh, mais bah, j'ai tout plein de nains en fait qui sont en haut, c'est un pec. Alors, nous on était ici aussi, à travailler ici. On va mettre une torche. Non, pas là. On peut la mettre là. Et ici, on va pour la suite. Bon, par contre, ouais, ah oui, ok, quand tu viens travailler, voilà, impeccable, ils font la pioche. La pioche qui va vraiment être utile.
Alors là, on les voit qui sont en train d'arriver, hein, ils sont là. Ok, 1 minute 30, hein, honnêtement, ça va. Ils attaquent, ils attaquent. Ouais, l'attaque est là. Ouais, on a des volants. Des volants à droite. Ouais. Le reste, je sais pas. Ouais, on a un autre portail qui s'ouvre tout en haut. Avec des volants et une tête. On cube de l'intérieur. Ouais, ouais. Ah, des gros là. Des fameux là à gauche aussi. Ah, j'ai une limace. C'est quoi cette limace? J'ai une limace réseau internet qui est lente. Hein? Ouais, ouais, ouais. C'est le ping à mon avis du jeu. Ouais, ouais, j'ai une limace. Peut-être, ouais. J'étais limaced. J'étais limaced, Rivo. Je sais pas si tu vois, mais je suis limaced. Il me dit que j'ai une barre de. Il y a trop le mob en fait. C'est le partage de compte. Ah, ouais. Je sais pas. Je suis limaced. Bon. Ce sont des choses qui arrivent, hein. Bah c'est bon, c'est déjà fini. Ouais, ouais. Rapide. Impec. C'est ça, d'être bon, c'est ça, hein. Ouais, hein, heureusement que je suis là, hein. Hein. Oh là là. Ouais, je vais retourner dans mes trifons. Ok. On va activer ça. On va venir ici. Ah ouais, c'est vrai, Rivo, quand tu mets un portail et que tu cliques plusieurs fois dessus, ça permet d'avoir plus longtemps le temps. J'avais oublié ça. Je sais pas si t'as tout compris, mais moi j'ai compris. Ouais, mais ça t'use plus de portails, non? Non. T'en uses qu'un et t'augmentes le temps. Ça, ça te prend le niveau, quoi. Mais toi, plus tu vas dans la zone, plus ça revient cher, en fait. D'accord. Voilà. Petite astuce. On va voir un peu, voilà, si je peux pas encore construire du métrine. Il faut que je pisse, en fait, les amis. Mais bon. On va essayer d'attendre. Alors, maintenant, on va voir un petit peu s'il y en a une pioche qui est disponible. Il nous fait 3 pioches. Mais voilà, il en manque beaucoup. Hein. Donc beaucoup de pioches pour pouvoir creuser tout ça en fait à haute vitesse. On a quoi? On a pas beaucoup de nains qui l'ont. Hein. Et là. Ah ouais, il y en a juste ici. Bon, on va mettre une torche après. T'es sérieux? Et... Ah oui. Et là, il va falloir monter. On a full mitril. On a combien de personnes, hein, de nains, donc, qui ont des pioches mitril? 1, 2, 3. Ouais, clairement, oui, il en manque. Hein. Il faudra au moins en avoir au moins 5 ou 6 hein, pour pouvoir travailler dans les conditions. Vous voyez ici, il y a du mal. Hein. Il y a vraiment du mal. C'est que des pioches en quoi qu'ils ont? Les pioches en acier. Donc c'est même pas en argent, c'est en acier. Oui, t'en acier en fait, les amis. Et là, c'est une pioche en fer. En acier. Ça, c'est en acier aussi. Ouais, donc en termes de choses, on n'a pas. On n'a pas vraiment beaucoup de choses. Quoi, un fragment de portail a été trouvé? Ouais. Alors, nous on était ici. Hein. On va garder le temps. Hein. Le temps qui passe beaucoup plus vite. Hein. Ok, là ils sont là. Hop. Ici, hein. Ça travaille. Hein. Il faudrait qu'ils posent la torche. Je vais poser ma torche. J'en mets une ici aussi. Absolument que je travaille sur le mitril. Hein. Ah, c'est charbon. Attendez. Normalement, ça va fabriquer du charbon. Il est là. Oh, ouais.
plus de bois. Mince. Du bois. Ça, ça se remplit tout seul, moi je prends. Hein. Là, il faut absolument du charbon. J'ai besoin vraiment du charbon là. Ah, on a un bloc d'or ici infini, impeccable. Et ici, on va commencer à mettre des escaliers. Enfin, des échelles, pardon. Est-ce que je peux faire une pioche? Je peux en faire 3, les amis. On va les faire. Mithril, je peux toujours pas en faire. Il faut absolument le charbon. Et j'en ai fabriqué du charbon, non? Ah oui, c'est en construction. Oh, je peux en faire encore. Voilà. Le bois. Est-ce que je peux encore en prendre du bois? Oui. Dommage qu'il n'y a pas une touche rapide, donc à chaque fois que je clique dessus, mais bon. Voilà, ça va vraiment bien nous aider, ça. C'est vrai que j'aimerais bien terminer ça avant, dans 5 minutes. Comment tout ça s'est pris. Hop, alors, le portail. Ouf, on a encore du temps. Là, on a bien ouvert le portail. Ça, ça va. Là, on aura du temps pour le reste. Vas-y, une torche. Mettre une torche là aussi. Et ici, je sais pas ce que j'ai ici aussi. Hé, hey, dépêchez-vous là! Ok, donc là on commence à avoir pas mal de choses. Voilà. On va récupérer notre nain. Voilà, on va faire notre pioche. Si, si c'est possible, hein, toujours pas. Hein. Toujours pas ici, ouais, on peut encore en faire un, voilà, on demande. Le charbon pour le moment on peut plus en faire. Bon, on va attendre. Pour ça. Alors ici, hop, on met les escaliers, enfin pas l'escalier, mais les... ce qui sert à monter, on va dire, prendre les échelles. Et c'est un mec qui aille ici aussi. Hein. Aïe, aïe. Et là, on va remettre aussi une torche. Hop, hop, hop. Voilà, c'est accessible. Allez, là, bon, ils ont un peu de route à faire, hein, mais c'est beaucoup moins en tout cas que... En tout cas, les amis, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, voilà, je sais pas si vous avez testé la 1080p. Alex, je sais pas si tu es encore là ou pas. Et je l'ai mis en 1080p, voilà, avec le PC qu'on a. Après, voilà, la connexion, bon, il n'est pas top, mais bon, voilà. Normalement, ça devrait le faire. Donc, je crois que c'est une première. On était en 720p. Il faut savoir que maintenant les applis apparemment peuvent choisir, les gens peuvent choisir en fait la qualité de la vidéo directement. Et avant non. Ça dépendait voilà si on avait beaucoup de personnes ou pas. Et là on mettra peut-être pas une torche. Et on va voir si on peut pas. Oui, on a déjà des torches de pioches ici. Merde. On va. Qu'est-ce que je fais ? Attendez. Ouais. On va si on est les équipés. On est équipé plutôt. Voilà. Donc là, on va commencer à être bien en fait, hein, en termes de pioche. Donc il m'en manque. 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 pioches. Hop. Faire une en plus. Le charbon. On peut encore en faire 17. Voilà. Le bois, on continue à en prendre. En tout, on vide le stock. Voilà. Alors.
Alors, une teinte de pioche, on peut encore en faire une. Et ici. Alors, on peut en faire deux, impeccable. Voilà, ça taffe, ça taffe. On creuse ici, on creuse, on creuse. Mais ouais, c'est vrai que voilà, pour aujourd'hui, j'aurais bien voilà, terminé et fait tout ça. Ça serait pas mal. Mince. Mais là, attends, ça va tomber, non? Je sais pas. Vous en pensez quoi, d'accord? Elle va tomber ou pas, les amis? Je sais pas. Hein. On va quand même la demander, voilà. Ok. Donc ici, une échelle aussi. Hop, on continue à creuser. Il a quoi comme pioche, lui? Il a une pioche de merde encore. Hein, en argent. Voilà. On a un peu épée. En acier. Attention, attaque dans 4 minutes. Ouais, merci, merci. Effectivement, attaque dans 4 minutes. Il va falloir les faire dormir. Je suis mal au point. On n'a pas le choix. Bon, en attendant, lui continue à creuser, c'est bien. On va les faire monter. Attendez, parce qu'ici on a un portail qui est ici. On va faire monter dans une minute. Voilà. C'est un peu moins bon. On verra. C'est vrai que presque fini ce qu'on devait faire. D'accord. On va enlever la torche et creuser après. Hein. Sinon. Dépêchez-vous, Léna. On a des bouquins. On va mettre ici une échelle. Bon, on va la mettre. Même en mitril, hein, les amis, ça prend un peu de temps, mais beaucoup moins. On va regarder un petit peu. Ouais, je ne peux pas encore en faire. On va voir un petit peu si je peux pas en faire plus ici. Je peux en faire 4. Parce qu'il faut jusqu'en 7. Le charbon. Hop, on va faire 17. Hop, on prend le bois. Hop, on va le prendre ici aussi. Et on va se charger à monter tous les nains. Ça veut dire qu'on a l'attaque, hein, parce qu'on est vraiment pas loin de pouvoir terminer. Parce que là, je dois terminer normalement. Je vais mettre une torche. Oh, après, je peux la mettre là. Attention, attaque imminente. Hein. Moins d'une minute. Ouais. Après, j'ai un portail qui est pas trop loin. Bon, je vais les faire monter. Je les fais monter. Il y a aussi une maison là de lutins qui à côté du shop. Du shop? Ouais. Ah ouais, oh punaise. On va s'en occuper après. Ouais, et j'aimerais bien terminer juste à récolter les ressources là. Et après devoir couper parce que on est sur les 10 minutes on va dire après là de est-ce qu'il est 20 déjà, ça passe vite hein. Ouais. On va commencer plus tard forcément, ça passe encore plus vite. Bah écoute c'est parti hein. Ouais. Ils attaquent, beaucoup de volants, il y a une tête mais c'est pas la plus grosse. Mais vraiment beaucoup de volants. Hein. Ah, on a une grosse tête volante. Deux grosses têtes volantes. Enfin, les deux grosses et les plus grosses, hein, je veux dire. J'ai énormément de volants hein, de mon côté. Ouais. Des guerriers au sol. Moi, j'ai fini en bas. T'as déjà fini en bas? Ouais. Ok, impec. Ah, on est au feu apparemment, santé basse moins de pouvoir pour un nain. Oh le bordel. Ça devrait le faire, je pense.
Et j'ai beaucoup de nains en fait qui essaient de s'échapper. C'est bon, GG. Impeccable, c'est bon. Je vais mettre tout le monde à dormir. Non. C'est bon. Ça va, ça a été? Ouais, nickel. T'as pas eu de... des nains... C'est un succès. T'as pas eu des nains morts ou quoi? Non. Ok. Voilà, donc là, ils vont pratiquement tous dormir. Voilà, ils sont déjà réveillés. Bon, allez, il faut que je veux qu'ils terminent là en bas. Donc prépare-toi, Rivo, hein, bientôt t'arrêter. Ouais. On utilise un peu de mal, les amis, hein, de toute façon. On en a. Il va dormir, là, ça, c'est... En fait, quand il est dans l'ascenseur, il va pas dormir, en fait. Ouais, et on a un qui est en train de péter le... Ouais, la porte en fer, ouais. Ouais. Bon, il en fait bien toujours, il va mourir. Ouais. Je vais juste terminer ça. Je vais te faire ici, en bas. Allez, vite, vite, vite. En fait, c'est plutôt la recherche du maîtrise, en fait, à moi, de mon côté, hein. Et pas de l'argent, hein. Je sais pas si t'as eu beaucoup de maîtrise ou pas. Pas tant que ça. Hein. Non, alors moi, j'en ai eu pas mal, hein. J'en ai eu vraiment pas mal, et pour dire, tous mes hommes, là, ils sont presque équipés tous pioche en maîtrise. Ah oui. Il en manque 3 sur 10. D'accord. J'ai des épées aussi en maîtrise et tout. Ah, le celui qui tire là, tu vois. Il ouais. Dès que l'araignée, il tire là, tu vois, avec le fusil là. Et on va mettre la torche ici. Allez, allez, dépêche-toi là. Je vais juste prendre ici l'or qui reste. Oh, j'ai trouvé encore un autre truc là, de un truc, une mine. Mais ça, c'est du mode, ça, non? Qu'on a installé. Hein. D'accord. Tout ce qui est mine et tout. Ah, peut-être, je sais pas. Ouais. Hein. J'ai beaucoup de maîtrise. Manqué combien de poches? De pioches, pardon? Pas dit 3. Je pense 1, 2, 3. Ouais. Bah écoute, je vais les faire. Voilà. C'est commandé, Rivo. Hop. Voilà, impeccable. Il me manque 5 épées. 5 épées? Ouais. Rivo, est-ce que tu vas me croire ou pas, Rivo? Quoi? J'ai plus de terre. De terre? Ouais. J'en ai plein si tu veux. J'ai besoin de terre, Ivo. Et je t'envoie ça. Ouais, écoute, je suis en train d'en prendre dans le coffre. Ah bah si, il y en a 1700 dans le truc. Ouais, général. je suis en train d'en prendre. Il m'en faut blindax. Qu'est-ce que tu veux faire avec la terre? Fais du charbon. Avec la terre? Ouais. Et du bois. Fabriquer du charbon. Écoute, c'est ça où j'avais pas autant de ressources d'armure et tout. Enfin, de pioche, tu vois. Ah ouais. Ah, t'as vu. D'accord. Bon. Dépêche-toi, là. Bon, je termine. Mais je pense que la semaine prochaine, on s'équipe full Mithril, tu vois. Ouais. Et on peut commencer à avoir pour les boss, hein. Bah ouais. Ouais, puis les boss, ils sont simples à faire. Hein. Bah, une fois qu'on a tout le monde, après, t'as 10 personnes ou pas? Ouais. Ok. Ouais, après, ouais, je suis un peu plus de la moitié, moi, pour avoir le 11e. Je suis un peu moins.
Je 85 sur 128. 85? Oui, 85 000 sur 128 000. Ah oui, je suis à 104 000. Pas mettre de tort. Allez, juste qu'il aille chercher ici le bloc de d'or. Et puis on va s'arrêter là. Très Ouais. bien. Ah bah, j'ai eu mes trois pioches qui sont faites. Ça fait plaisir ça, hein. Les trois pioches là, ils font zizir. Hein. Attends, je vais voir pour l'épée. L'épée, je peux en faire deux. J'ai plus de mithril. J'en ai 9. Ah, bah, dis-toi un mithril, Rivo. J'en ai 14 en fabrication. Ça va, hein. Et monsieur est un peu jaloux, peut-être. Voilà, impeccable. Allez, hop, le mithril. Voilà. Bah voilà, arrivons. Hein. J'ai une épée de pète. Ah, je pourrais jouer vraiment beaucoup. Hein. Et t'as beaucoup d'épées de genre mithril? Il m'a dit. Il m'en manque une ou deux, je crois, des épées. Alors, moi, il m'en manque. Une, deux, trois, quatre, quatre, donc j'en ai déjà fait six, enfin cinq. Ah, je viens d'en avoir une encore. Il me manque deux épées. Bon. Attends, je suis en train de la changer. Donc moi, il m'en manque Deux épées, cinq une, pioches. deux, trois épées en mithril. Et j'ai toutes mes pioches. Et ouais, ça, c'est beau quand même. Hein. Ça, c'est beau. Voilà, bah, on peut s'arrêter là, pour toi c'est bon. Et pour toi c'est bon, on peut s'arrêter là Ouais. pour le jeu. Voilà, tu me dis, ah bah, je fais ma fin de vidéo. Voilà, en tout cas les amis, bah, merci d'avoir regardé pour la partie YouTube. Je dis, à la chaîne YouTube, ciao!